je ne peux faire. Le Seigneur à la main, il n'a rien dit. Aujourd'hui, là, tout le monde peut être candidat. Il faut que tout le monde soit candidat. Aujourd'hui, vous dites ça, quoi. Non, mais il y a longtemps. Le 21 avril 2011, Pascal Afiengessan, le proche de Laurent Gbagbo, est arrêté et transféré à Bouna au nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette arrestation marque un tournant dans sa carrière politique. Cette détention survient dans un contexte de tensions extrêmes en Côte d'Ivoire, où les luttes de pouvoir et les violences post-électorales laissent des cicatrices profondes. Pascal Afiengessan, avec son discours souvent radical, semble s'enfermer dans une logique de confrontation plutôt que de rechercher un dialogue apaisé. En scrutant son parcours, on ne peut s'empêcher de noter qu'il navigue avec une enveloppe vide laissée par son ancien mentor, Laurent Gbagbo. Ce symbole de désespoir politique en dit long sur la situation actuelle du FPI, qui peine à trouver une direction claire et à rassembler ses troupes. Il est temps pour lui de repenser son approche, non seulement pour son avenir politique, mais pour celui de tout un pays en quête de paix, la Côte d'Ivoire, qui prépare tranquillement la présidentielle de 2025.